Salut à tous. Aujourd'hui, on se trouve à la municipalité de Hato del Yaque. Cette municipalité se trouve aux îles de Santiago. Et elle appartient aussi à la commune de Santiago de los Caballeros. Comme vous pouvez voir, cette commune est très petite. C'est un village, c'est un petit village. Voici le centre sportif. Il faut vous dire que cette route, on a dit, rejoint la ville de Santiago avec la ville de Sahoma, San José de las Matas, laquelle se trouve aux îles de Santiago. Dans la zone montagneuse. Voici son petit centre éducatif, son école, sa petite école, qui se trouve près du parc principal de ce district municipal. Voici un petit centre de réunion et aussi les stations de police qui se trouvent à côté du parc. Voilà un petit parc de récréation pour les enfants. Voici un petit monument en honneur de notre
patriote, notre père de la patrie, c'est-à-dire Juan Pablo Duarte. Voilà des résidents qui font des activités et chaque jour. Des activités quotidiennes. Comme vous voyez, ce petit parc n'est pas large, c'est-à-dire c'est un petit parc qui est très long, mais pas très large. Il va presque 500 mètres à côté de la route qui conduit les personnes de Santiago à San José de las Matas. Et vice versa aussi. Comme vous pouvez écouter, voir aussi, il y a beaucoup de trafic aujourd'hui parce que c'est le samedi, c'est-à-dire un jour de fête, alors bon, ou un jour férié. Et il y a beaucoup de personnes qui vont à San José de las Matas et aussi à Santiago. Alors là, le trafic est très souvent. Comme vous pouvez voir, à l'entrée du parc, il y a un petit, il y a une petite image de la Bible aussi d'un ange. C'est-à-dire, c'est parti de la culture dominicaine. Alors, tout ce type de choses, ce sont des images qui représentent la République dominicaine, la culture dominicaine aussi. Et voilà aussi, à côté du parc, qu'il y a un champ de baseball. Et voilà.